Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier, premier mois de l'année 2019, et je vous souhaite que l'année continue de bien aller pour vous. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2019, bien sûr. Et aujourd'hui, nous faisons les énergies sentimentales pour le signe du scorpion. Alors, bienvenue les scorpions, bienvenue à tous les autres signes. Avant de commencer votre tirage, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'ils peuvent ne pas concerner tous les gens du signe du scorpion. Et c'est normal puisque c'est général. Donc, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également, les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et si vous avez toutefois besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Je vous rappelle aussi également avec la petite clé de la destinée ici hein, que vous avez toujours le choix, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, que les messages ne sont pas, les tirages ne sont pas coulés dans le béton. Vous avez toujours la possibilité de changer le courant des choses pour vous. Alors ça, c'est vous qui décidez. Donc c'est important pour moi de le répéter pour que tout le monde puisse savoir qu'il a son propre pouvoir en main. Alors voilà, donc pour aujourd'hui, le message s'adresse autant aux couples qu'aux célibataires, puisque vous allez voir là, que c'est pour ceux qui sont en couple, mais qui ont probablement vécu une rupture, et pour ceux qui sont célibataires. Alors, pour vous, mes chers scorpions, pour certains d'entre vous, donc on voit qu'il y a un grand changement qui est survenu dans votre vie. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être une rupture hein, avec la tour inversée. Donc, c'est peut-être tout frais, tout nouveau, ou ça va peut-être, c'est sur le point peut-être d'arriver pour vous. Donc, c'est un grand bouleversement, hein, quelque chose qui va vous déstabiliser, cette rupture-là. Peut-être que, justement, c'est une rupture. En tout cas, on voit avec le 10 de bâton que c'est la fin de quelque chose, hein? C'est la fin d'un cycle. Alors, il y a quelque chose qui change pour vous. C'est certain que j'ai l'impression que c'est une rupture ou peut-être une pause dans votre relation amoureuse. Mais en tout cas, on voit que ça va vous déstabiliser et ça va être peut-être très lourd pour vous à porter. C'est une période de difficulté amoureuse en ce moment pour vous, pour certains d'entre vous. On a également la carte de la justice inversée. Donc, on voit que vous avez peut-être vécu des difficultés au niveau de la justice même. Hein? Cette rupture-là peut-être va vous amener des difficultés au niveau émotionnel, au niveau personnel également. Hein? Comme je vous dis, avec la justice, vous allez peut-être vivre... vous allez peut-être devoir aller en cours pour régler certaines situations. D'accord? Alors, vous allez avoir affaire probablement à la justice. On voit ici avec la carte de la mort ou de l'arcane sans nom, hein, qu'en plus d'être votre carte qui vous représente les scorpions, bien cette carte vous dit que vous avez vécu de grands bouleversements, beaucoup de chagrin, et que vous avez beaucoup de difficultés à lâcher prise sur cette situation-là ici. Donc, vous êtes vraiment, mes chers scorpions, pour ceux que ça concerne, dans une période que vous considérez très lourde, très difficile à vivre. Hein? Vous avez même de la difficulté présentement à retrouver la confiance en vous-même, hein? La joie et le bonheur que vous aviez auparavant. Mais n'oubliez pas, mes chers scorpions, que la destinée, que le destin est entre vos mains, hein, comme je vous l'ai dit tantôt. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec. Donc, ne vous laissez pas décourager. Parce que n'oubliez pas que, non seulement que le destin est entre vos mains, mais que vous avez une nouvelle chance de recommencer.
Vous avez toujours la chance de recommencer. Donc, ne perdez pas espoir. Ne vous laissez pas aller à la dépression. D'accord? Malgré que vous vivez ce grand bouleversement, prenez le temps de le vivre, prenez le temps de vivre vos émotions également, mais restez pas trop longtemps dans cet état dépressif, dans cet état de peine et de douleur, parce que vous avez la possibilité de changer les choses, vous avez la possibilité de recommencer à nouveau. D'accord? Peut-être que cette personne-là n'était pas pour vous tout simplement. D'accord? Vous avez également le 4 de bâton inversé. Donc, on le voit encore ici à nouveau que vous avez de la difficulté à retrouver votre joie de vivre. Hein. Vous vous sentez déstabilisé. Hein. Le 4 de bâton, on parle de stabilité, de confort. Alors, vous vous sentez déstabilisé puisque la carte s'est présentée inversée. Vous avez également le 9 d'épée inversée. Alors, malgré qu'elle soit inversée, cette carte, elle apporte beaucoup d'espoir, la carte du 9 d'épée renversée, parce que, justement, elle vous dit de ne pas perdre espoir, que l'orage est presque fini et que bientôt, vous allez vous sentir libéré. C'est ce que le 9 d'épée vous donne comme message. Donc, ne perdez pas espoir, mes chers amis. L'orage est quasiment terminé pour vous. Vous avez le roi de deniers ici inversé aussi, même si pour le moment vous vous sentez épuisé. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. En ce moment, oui, vous vous sentez épuisé. Vous avez vécu beaucoup de difficultés ici, la tour inversée. Hein? Vous êtes déstabilisé, vous avez vécu peut-être une rupture. Vous trouvez que la situation est très lourde à porter. Il y a eu beaucoup de bouleversements et de chagrins dans votre vie ces derniers temps. Vous avez peut-être fait face à la justice. Alors, c'est normal de vous sentir épuisé, mais ne perdez pas espoir, d'accord? Ne perdez pas espoir. Faites au contraire l'effort de faire du ménage dans vos pensées. Peu importe ce que vous avez vécu, sachez que tout le monde n'est pas pareil, que vous avez la possibilité de rencontrer un nouvel amour, quelqu'un d'autre qui va faire votre bonheur, qui va combler votre vie. D'accord? Donc, ne restez pas dans un carcan mental de négativisme. D'accord? Dévoilez vos yeux, regardez la situation en face, faites du ménage dans vos pensées négatives. D'accord? Vous avez également l'as d'épée, donc tout au fond de vous, vous nourrissez l'espoir justement d'un renouveau amoureux. Et vous allez être déterminé à user de plus d'intelligence peut-être dans vos choix amoureux pour la prochaine fois. On le voit ici, il y a des potentiels amoureux pour vous. Et vous allez décider finalement d'utiliser votre intelligence pour faire le meilleur choix pour vous. D'accord? Tandis que si vous ne faites rien, si vous restez dans le carcan d'idées mentales négatives, hein, si vous ne faites rien pour retrouver votre soleil intérieur, votre joie de vivre, votre stabilité également, bien, vous allez rester enfermé dans des peurs, hein, dans vos peurs mentales et dans le non-respect de vos valeurs profondes également. Avec le pape inversé. Alors voilà, mes chers scorpions. Donc, vous avez un travail à faire pour retrouver votre énergie, pour retrouver votre soleil intérieur, votre joie de vivre, votre stabilité, de ne pas trop vous inquiéter pour la suite des choses. Vous avez des choses à transformer, vous avez une vie devant vous et vous devez transformer votre vie également. J'ai tiré une carte pour vous pour des messages des anges de l'amour. Et cette carte qui est sortie, c'est la carte « Très bientôt ». Donc, ce qu'elle vous dit, cette carte, c'est « Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite ». D'accord? Donc, les transformations que vous avez à faire, ça veut dire le recouvrement ici de votre énergie, de votre amour, de votre joie de vivre, de votre stabilité.
de vos valeurs, hein, du respect de vos valeurs et de la reprise de votre pouvoir aussi. Bien, c'est ce que vous avez à faire au plus vite pour que justement l'amour vous parvienne au plus vite. Ce que vous voulez, ce que vous désirez, vous parvienne au plus vite. Alors, je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte, la carte « Très bientôt ». Donc, ça vous dit, cette carte vous demande « Que voulez-vous ?» et attend des réponses claires et précises, comme lorsque vous passez commande au restaurant. L'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement, sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Respectez vos valeurs profondes. D'accord, mes chers scorpions? Alors, soyez clair dans ce que vous demandez, dans ce que vous désirez, et faites la demande aux anges de l'amour pour qu'ils puissent vous apporter ce dont vous avez besoin. Et cela va arriver très bientôt pour vous si vous en faites la demande. Alors, vous avez compris que ce tirage s'adressait autant aux couples qu'aux célibataires, mais aux couples qui vivent peut-être une rupture actuellement, qui sont dans ce processus-là actuellement, hein? Parce qu'on le voit que vous êtes dans un processus de rupture. Peut-être que vous faites face à la justice également. Donc, ce tirage-là s'adresse vraiment aux couples et aux célibataires. D'accord? Alors voilà, c'était votre tirage pour ce mois-ci, mes chers scorpions. Je vous souhaite tellement de retrouver votre énergie, hein. Vous savez, le soleil ici qui est inversé, c'est votre énergie vitale. Alors faites en sorte que la carte se retrouve à l'endroit. Et ça, c'est vous qui décidez ce que vous allez faire. C'est certain que quand on vit des choses comme ça, des difficultés comme ça, c'est difficile de remonter la pente. C'est difficile de retrouver de la joie. Mais faites l'effort nécessaire pour y arriver. D'accord? Sortez de votre carcan mental de négativisme. Et ça, c'est pour vous que vous allez le faire. Donc voilà, mes chers scorpions, je vous laisse là-dessus et on se retrouve le mois prochain. J'espère que tout va bien se passer pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager aussi la vidéo, hein. Peut-être que d'autres personnes seraient contentes de recevoir ces messages-là. Cliquez aussi sur la cloche pour pouvoir être notifié à chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous. Alors, en attendant, bien, je vous souhaite de passer un très beau mois de février. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Je vous embrasse et je vous remercie de votre écoute, de votre présence également. Prenez soin de vous, mes chers scorpions. Merci et au revoir.